À la fin du collège, j'étais mitigé. Finn est allé à Midtown High, et moi à Brooklyn Vision. On s'est promis de continuer à se voir, mais au lycée, tout était complètement différent. Eh ben, ça m'a fait plaisir de voir Finn. Je devrais retrouver les autres capsules qu'on avait cachées. Mais ça peut attendre. Je dois rentrer pour le meeting de maman. C'est le moment d'utiliser mon passé limité. Téléphone, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard! Et toi, je vais te mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. C'est ça qui est cool quand tu vis à Harlem. Les marchés éphémères, la meilleure bouffe en ville et la super musique. J'avoue que c'est pas mal. Ça irait trop bien sur le dernier beat que j'ai fait. Qu'est-ce que tu penses de Rio Morales? Je préfère le voter pour elle. Je me déplace pour voter. J'ai encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. C'est les mêmes cons. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. Je devrais faire langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah, si? Desde cuando? Gloria! Salut! Ouais, salut, Miles. Voici Steph, ma compagne. Une nouvelle bénévole au FIST. Ravie de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle... Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça? Ah, t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Il est mignon, ce petit. Tu veux aller où? Je suis à Roxon Plaza, donc je suis pas les. Bonne chance, Madame Morales! Merci, Tim. T'as vu? Roxon a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, hey, est-ce que ça va? Je vais vous le rappeler. Ouais, c'est juste que la dernière fois qu'on a fait ça, mon père... Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Junipero. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse. Et sa chorale. Où on pouvait entendre dans toute la rue. Maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxon. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème ici. On est pas reculé. Garde son calme. Tu peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi.
Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Hijo, c'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien. Reste à l'abri. Entiendes? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plan. Ok, mami. Nos vamos en casa. Te quiero. Miles, j'ai vu ce qui s'est passé au meeting de ta mère. Tu vas bien? T'es où? Je me dirige vers le pont Braithwaite. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Fais attention. Ça m'inquiète, cette explosion. Il faut faire vite. On dirait que Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ou une diversion. Évite de se tirer dessus, ok? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui! Prenez tout ce que vous pouvez emporter!
occupe-le. Miles, j'ai vu l'explosion. Est-ce que t'es blessé? Ça va, mais t'as vu? C'est une erreur. Oh mon Dieu! Je l'ai vu aujourd'hui. Seulement j'avais fait le rapprochement. C'est pas ta faute. J'étais tellement content d'avoir que j'ai été distrait. Il faut que je fasse plus attention.
C'est ma faute. Mes pouvoirs, je les fais exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a le Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bien reçu. Non! Je suis pas votre ennemi! Qu'est-ce que vous faites? Il nous a sauvés! Hé, hey, laissez-le tranquille! Je filme tout! On veut ça! Range-moi ce téléphone! Rangez ce téléphone! Tout de suite! Ne la touchez pas! Dégage! Dernier avertissement! Je les ai sauvés! Où il est? Il est passé où? Non. Il est tombé. Ils l'ont poussé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Roxanne n'est pas censé être là pour nous. Ils allaient me tirer dessus. Ils m'ont même pas écouté. Est-ce que ça va? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Braithwaite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle? Bioélectricité. Tu veux un petit déj? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont. Roxanne, n'importe quoi. C'est pas ce qui s'est passé. C'est fine, Tinkerer. Elle a volé le uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Je peux prendre du dulce de coco? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferai. T'aurais pu... te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman? On veut bien du dulce de coco. Si... t'es d'accord? Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes, que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Here we go. Found my position, let's hit the bro. Came along, now my people here with me, I'm in my zone. Ooh. Been around a block a time or two, I tell you where to go, I tell you how to move. I got longitude and latitudes, keep it moving, that's my attitude. Just sent it, felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark, cause I'm bringing the light with a nice long. I shine on, see it coming, I don't need a sign. This the moment, I'ma make it mine. This is my time. We'll be right back.
de notre araignée sympa du quartier plus jamais. Faudrait trouver un nom plus court. Les meilleures applis ont souvent un seul mot. Miles, enfin on peut s'appeler. Salut Pete. Comment ça va? J'ai vu les infos. Et en Simcari, du coup, donc il y a une histoire de pont explosé ou de bagel décontaminé. Je peux pas dire grand chose en fait. Enfin bref, je regarde les vols. Je peux revenir dès demain soir. Non, surtout pas. Ça ira. J'ai trouvé qui étaient les responsables et je compte bien les arrêter. Je te le promets. Ok, je te fais confiance. Mais si t'as besoin d'aide, je saute dans le premier avion disponible. Sinon, on se revoit à Morton dans deux semaines, ok? Ouais, ok. Merci. Et bon courage pour apprendre le Simcarien. Entendu. Engagement et tentative de capture. J'attaque Spider-Man! Venez m'aider à me détacher! Nous avons des ordres! Cartonnez Spider-Man! Si vous croyez que je vais me laisser capturer... La cible est hostile! Mais j'ai réussi. Alors, boss, c'est quoi le plan? La famille de Finn a un atelier de réparation dans le centre. C'est là-bas qu'elle faisait tous ses bricolages. Avec un peu de chance, elle y va encore. Ce serait pas plus simple de l'appeler pour lui parler? Franchement, je pense pas. Quand je l'ai vu sur le pont, c'était quelqu'un d'autre. Il faut que je sache pourquoi elle fait tout ça. Ok, fais ce que t'as à faire. Tiens-moi au courant. La boutique est barricadée. C'est triste de la voir comme ça. Je devrais trouver un moyen discret d'entrer. Il ne faut pas attirer l'attention. Avec un peu de chance, il y a une fenêtre ouverte. Ohé ! Oh, bonjour la poussière. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Des livres de Rick de l'ESU. Il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique. Il bossait comme un dingue. Tiens, quelqu'un a laissé allumer. Un pass Roxxon pour Ella Sterling. C'est Finn sur la photo. Finn planifiait un cambriolage avec quelqu'un de Roxxon.
espèce de médoc? Du GCSF? Pour soigner des lésions de la moelle osseuse. C'était pour qui? Il y a quelque chose derrière. Ok, ça c'est une pièce secrète. Finn a dû concevoir tout le matos de l'Underground. C'est curieux, on se retrouve tous les deux à porter des masques. C'est une vidéo qui date de 6 mois. Je fais un test de transfert. Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est une forme. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêt? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plus tôt que prévu. Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coûts. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire? C'est sûr. Ouais, tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne le Nuform. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde, je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet Nuform. Mais ça a mal tourné. La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Okay. Allez, allez! Disparaît, disparaît! Allez! Il est ici! Ne laissez pas sortir! Hey, il peut se camoufler! Quand j'ai disparu d'un coup, ça les a fait flipper. Je peux pas la jouer furtive tant qu'ils seront pas calmes. Ils sont trop alertes. J'arrive à retrouver le portable de Finn, je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à Rick. Et pourquoi elle est devenue Tinkerer. Ah, j'ai une adresse. Je devrais
prêt à appeler Gangtil, je vais te tenir au courant. Alors, t'as trouvé quelque chose dans l'atelier de Finn? Ouais, je sais pourquoi elle fait tout ça. Quelque chose est arrivé à son frère. Un truc grave. Oh non. Rick travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur le Nuform. Wow. Apparemment, le Nuform l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Il ment. Finn et son frère ont voulu faire annuler le réacteur prototype pour pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Encore. Finn a tout enregistré sur son téléphone, mais elle l'a perdu dans le labo.